Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de Cap 48. Vous les avez certainement croisés à l'entrée de votre supermarché habillés de leur traditionnelle coupe-vent jaune. Je parle bien sûr des bénévoles de Cap 48. Ils sont grands, petits, jeunes ou moins jeunes, ils forment ensemble le formidable réseau des bénévoles de Cap 48. Les écoles, les mouvements de jeunesse, les ASBL, les entreprises, les mutuelles, les Lions et toutes les personnes désireuses de donner un petit peu de temps à Cap 48 constituent aujourd'hui une chaîne de solidarité de plus de 11 000 bénévoles. Même s'ils sont actifs sur les événements, on les rencontre plus souvent aux entrées des supermarchés ou au carrefour routier pour la vente des post-it Cap 48. Réservez-leur un bon accueil et chapeau les bénévoles. Eh oui, chapeau les bénévoles, grâce à la vente de ces fameux post-it, Cap 48 peut aider des ASBL dans le domaine du handicap et de l'aide à la jeunesse. La FEMA, Fédération Multisport Adaptée, organise à destination des encadrants de clubs sportifs pour personnes handicapées des formations à propos de sports spécifiques comme la pratique de joëlette, du cyclodance ou encore des sports adaptés comme le kayak, l'escalade ou la plongée. L'association propose également des formations plus longues ayant pour thème l'activité physique adaptée. Le financement de Cap 48 a permis la prise en charge de ces formations. N'oubliez pas d'acheter les nouveaux post-it de Cap 48. Ils sont colorés, de différentes formes et vendus au prix de 10 euros. À demain et n'oubliez pas, nous avons besoin de vous.